vous parler de polars. Alors pourquoi commencer par les polars? Eh bien parce que j'adore ça, je trouve que c'est d'une diversité maintenant assez géniale et c'est un peu une de mes spécialités en quelque sorte. Donc voilà, j'avais vraiment vraiment envie de vous en parler ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon super sac à mystère et à trésor? Alors attention. Tadam! On va fouiller ensemble, découvrir les belles lectures dont on va parler ce soir. Vous voyez que le sac est complètement hors sujet avec le thème, donc c'est top. Alors, par quoi on commence? Alors, le premier roman policier dont je vais vous parler ce soir, c'est ADN, d'une auteure islandaise dont je vous laisse lire le nom, car vous le prononcerez mieux que moi, je pense. Et c'est chez Actes Sud Noir. Alors là, on est sur un roman policier type serial killer, très addictif, en même temps bien torturé et bien glaçant et souvent assez flippant aussi, donc plutôt pour lecteurs avertis, mais sinon on est complètement happé et l'écriture est vraiment géniale. Et de plus, si vous aimez les auteurs nordiques, ça permet de changer un petit peu parce que cette auteure islandaise est vraiment peu connue, donc à découvrir. Ensuite, on a Dark Town de Thomas Mullen, paru chez Rivage, qui est un très bon roman policier d'atmosphère. Ça se passe en 48 à Atlanta, à une époque où un certain nombre de policiers noirs vont être embauchés, sauf qu'ils n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs que les policiers blancs. Et du coup, c'est le cas de nos deux héros qui sont deux policiers noirs et qui vont mener des enquêtes complètement officieuses. Donc là, vous êtes dans une plongée dans l'Amérique de la ségrégation. C'est particulièrement bien écrit, c'est aussi très vibrant et j'adore Dark Town. Ensuite, toujours chez Rivage, mais dans un tout autre registre à nouveau, c'est Rivière Tremblante. Là, vous êtes sur un roman policier beaucoup plus psychologique, beaucoup plus dans l'émotion. On n'est même pas sur une enquête policière, là pour le coup. Vous êtes plutôt dans des points de vue et dans des ressentis, puisqu'on a deux disparitions d'enfants à 30 ans d'intervalle, vues par le père et vues par la meilleure amie. Donc évidemment, c'est très psychologique, c'est très poignant, c'est extrêmement beau, parce que c'est vraiment très très bien écrit. Mais je préfère vous prévenir, voilà, ce n'est pas une enquête policière classique et vous n'aurez pas forcément toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Mais ça fait aussi partie du charme et c'est vraiment très très beau. Rivière Tremblante. Ensuite, nous avons Pyromane, qui est donc là à nouveau plutôt esprit serial killer, mais cette fois-ci un serial pyromane qui sévit en Pologne contemporaine. Donc là, une personne qui dépose des cocktails Molotov dans les cheminées, de manière récurrente évidemment, et j'ai beaucoup aimé le rythme en fait, l'ambiance, on est, voilà, pour le coup il se lit tout seul, et en même temps il y a ce charme d'être en Pologne contemporaine, ce qui n'est pas du tout secondaire, et il y a du coup tout un petit côté quand même roman d'atmosphère qui est vraiment bien mené, donc à découvrir Pyromane. Alors là, changement radical d'atmosphère avec « Il n'y a pas de passé simple » de François-Henri Soulier, paru aux éditions du Masque. On est sur un roman policier décomplexé et particulièrement drôle, où on va suivre le personnage de Skander Corsaro, qui est un jeune journaliste stagiaire. Alors, il est amené à écrire des papiers sur tel ou tel sujet de sa région, donc du Sud-Ouest, mais à chaque fois qu'il a des sujets à écrire, il va se passer quelque chose d'étrange ou il va découvrir quelque chose de pas clair et il va avoir envie de mettre son grain de sel évidemment et de faire ses propres contre-enquêtes. Sauf que le personnage est narcoleptique, donc quand il fait ses petites enquêtes, des fois il s'endort sur place, il sait pas depuis combien de temps il était là. Il vit seul avec un poisson jaune, attention, qui s'appelle Blablabla. Voilà, donc tout est comme ça, il y a un côté très barré qui est vraiment, enfin que j'adore, et c'est vraiment jubilatoire, ça fait du bien, ça amène un vrai vent frais dans le polar, et quelque part, même si vous n'aimez pas les polars, en fait,
C'est drôle, mais c'est vraiment pas du tout sanglant, pas du tout glauque, etc. Donc voilà, ça peut être une super entrée dans le polar. Et c'est un auteur français. Voilà, je me fais rire, c'est formidable. Bien, alors, Le songe de l'astronome, après, on retrouve notre François-Henri Soulier, mais cette fois-ci avec l'auteur Thierry Boursy, qui est un auteur génial que j'adore. Donc là, écriture à quatre mains d'un roman policier historique qui se passe à Prague au XVIIe siècle, à la cour de l'empereur Rodolphe II. C'est vraiment jubilatoire. On est autour de la mort de l'astronome danois Tycho Brahe, qui est demeuré un réel mystère de l'histoire. En fait, on ne sait vraiment pas comment il est mort. Donc là, c'est un peu l'interprétation de nos deux auteurs. Mais évidemment, c'est jalonné d'anecdotes historiques passionnantes. C'est complètement truculent. C'est vraiment jubilatoire. Et du coup, c'est pas ennuyé une seconde. Mais en même temps, on apprend plein de choses. Et on se laisse complètement transporter dans cette époque et dans ce pays et dans cette ambiance qui est absolument géniale, quoi, et qu'on connaît vraiment pas bien. Donc, à découvrir au plus vite Le songe de l'astronome. Voilà, et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez eu là des idées vraiment pour tous les goûts et qu'il y a au moins un de ces polars qui pourra correspondre à ce que vous aimez. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres idées, plein d'autres coups de cœur. Je sens que ça va être vraiment génial ce qu'on va partager. Je vous remercie beaucoup pour les réactions que vous avez eues à la première vidéo. C'était vraiment adorable. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. J'ai plein d'idées et j'ai hâte. Bisous!